Shit. We ain't playing, man. Fire Records. Jared Ice. Bam Stupid. I set up here, I'm on the back. Yeah, street niggas. Get my for life. Yeah, well, I read your feeling back up a back, no vagabond life. Quote nigga, joy, I'll say, quote nigga, I'll let bon why. I'm fin be bad, I'm fin be street, I'm fin be paranoid. I'm fin be remé manger poids, boy. Même la vie, ça gué critique. Mwen fan krak, mwen mwen pat na ya kise. Le yo pase de kwa kapot yo bam kwa. Bon ma kren yo de plezi se lan pou le kwa. Mwen si yo met bay le gen, mwen refel e gen. Ki son wal ti de mwen, ou ka le lem bet sele. Ti fam kon ya pa mwen de pou ap chouchoute. Apre de trip yo toro e bi ou met fout choute. Mwen mwen mache a pie, de fwa ne bouda kamyonet. La ri ya mwen de rap gang, e bien ma bayolet. Mwen mwen lem ap pousse la fi, mwen mdouak ne figi metizan. Si ou vle gen may pou yo pep, fota yo prezidan. La ri ya se gen mwa. Je t'aime. Non, merde. Ne dis pas cela. J'ai appris ce mot de la déchirure. Oh merde! Ne dis pas cela. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans la déchirure? Tu as sans doute appris l'histoire de cet enfant qui a fugué en début de semaine. Oui, et? Et sa mère a appris dans l'inquiétude et la peur la douceur de sa présence. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans la déchirure? En tout cas, les gens comme nous, qu'est-ce qu'on n'apprend pas ici? Les gens comme nous? Tu veux dire que... Les gens comme nous, ceux qui traînent leur vie ici et là, qui n'ont pas d'attache, qui trop souvent regardent la vie dans l'évidence du passé, non, dans l'évidence de la perte. Qu'est-ce que tu viens foutre ici avec tes airs de philosophe? On vient ici pour baiser, alors paie-moi, baise-moi ou fous le camp. Ce camion me traîne depuis que j'ai 20 ans. Les gens que j'ai connus ou effleurés dans ma vie ont tous été des passagers. Des gens à qui j'ai à peine su dire mon nom. Qu'est-ce que je viens foutre ici? Qu'est-ce que je viens foutre ici? Qu'émander l'écoute et le partage. Alors cherche-toi un autre pantin. Tu viens? Tu paies le double, achètes plusieurs bières et repars. Comment faut-il que je t'écoute? Râler tes peines ne suppose pas l'écoute et encore moins un quelconque partage. Tu es si dur par moments, si cruel. J'ai pitié de toi. Les gens doivent sans cesse te marcher dessus. Prends ton cœur pour un jouet. Tu es trop fragile, trop sensible, trop timide, trop tête en l'air. Personne ne devrait être ainsi. Sinon le monde, ce monde, avec ses crocs et ses monstruosités, le détruira. Les autres ont raison quand elles disent que tu es peut-être un malade mental. Quelqu'un qui fuit quelque chose. Un crime. Une peur qui et, fait... Et toi, qu'est-ce que tu dis? Dire quoi? Toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de moi? Je ne sais pas. Tu mens. Pourquoi je me tirais? Les autres parlent, j'écoute. Je ne suis pas ici pour deviner la vie des gens. Tu viens, tu me paies. Parfois, tu lis des choses que j'aime bien entendre. Des choses qui me donnent l'impression que le monde, que mon monde, ne se réduit pas à ces quelques mètres carrés. Le monde de personne ne se définit par le lieu où elle habite, mais par tout ce qu'elle aimerait connaître. Tous les endroits de la terre, avec leurs plages, leurs montagnes, leurs forêts, tout cela est ton monde. À condition de croire que la terre t'appartient au même titre que tout homme. C'est la route qui te fait dire cela. La route qui te fait croire que tous les lieux de la terre peuvent t'appartenir. La route est une menteuse. Elle fait croire aux hommes que le seul lieu qui compte, le seul lieu qui doit les porter,
est celui du cœur et de l'intensité. Autrefois, on avait une moto dans ma famille. Quand je l'empruntais avec mes sœurs, nous avions l'impression que l'intensité de la vitesse avait quelque chose de fort, de très fort, de tellement fort qu'elle pouvait diluer le manque, la misère et tout ce qui vient avec. La route est une menteuse. Fuis-la. Au-delà du mensonge de la route, il y a une vérité brute. C'est la vérité du cœur et de l'imaginaire. Plusieurs fois, je la laisse me pénétrer, s'enfoncer en moi allègrement. Plusieurs fois, cette vérité m'emporte. Parce qu'au-delà de tout mensonge, il y a une vérité brute. Celle de l'enfance avec ses rires. Celle de l'amitié avec ses partages. Celle de l'amour avec ses mille mondes inondés. Au-delà de tout mensonge, il y a une vérité brute. Peut-être que tu as raison. J'ai déjà croisé des gens comme toi. Des gens qui courent toute leur vie malgré leur conscience de la fragilité. Ces gens courent, courent et courent encore. Ces gens sont peut-être, que dis-je? Quel homme ne court pas après quelque chose? Et toi, après quoi cours-tu? Je ne cours après rien. La vie a déjà fait de moi ce qu'elle souhaite. Parfois, la course peut être un ennemi. Mais parfois, il suffit d'attendre, de rester là. Et si la vie t'envoie des amours, des amitiés, tu les prends et tu les emprisonnes d'affection. Mais parfois, la vie n'envoie rien. Pas un cœur, pas un rire, pas une amitié, rien. Et parfois... Alors, tu attends quelque chose? Non. Quelqu'un? Oui. J'attends le malheur. La vie s'est tellement acharnée sur moi que j'ai du mal à habiter des rêves, du mal à même en donner vie. J'ai déjà croisé des gens ici. Ici, c'est un bordel. Et comme tous les égouts sociaux, c'est un terroir décorché, un terroir d'hommes et de femmes qui restent là à attendre la prochaine merde, la prochaine gifle que la vie leur flanquera à la figure. Nous restons là, bras croisés, sourire aux lèvres à l'attendre, cette garce. Puisque tu attends l'enfance, je l'attends aussi. Je l'attends avec des timidités, des rires, des sautes d'humeur. S'il y a une chose que la route m'a appris, s'il y a vraiment une chose que la route m'a montrée, c'est que ce n'est pas le paysage qui doit changer, mais la vitesse avec laquelle nous le parcourons. Il y a des vitesses qui tuent la beauté. La route m'a appris que seule la vitesse du cœur compte. Tiens, tes bières sont arrivées. Offre-moi une. Tu ne bois jamais?
Jamais dans une chambre avec un client. Tu préfères garder la tête claire, l'esprit lucide? Non. Il n'y a pas plus fragile qu'un homme ivre. Il dit, fais, crois tout ce que tu lui dis. Tu lui dis n'importe quoi, il croit n'importe quoi. Tu lui fais n'importe quoi, il trouve que c'est magique. C'est idiot. Il y a des hommes ivres qui sont terribles. Avec les faibles, les lâches. Mon père était un terrible. Un ivrogne. Un monstre. Ma mère. Une faible. Détruite. Une détruite. Une écorchée, comme tu aimes le dire. Une écorchée dans l'âme. Ton père, il l'abattait? Il tabassait tout le monde! Il tabassait tout le monde! Si tu ne baisses pas les yeux quand il passe, si tu ne l'appelles pas monsieur, si tu ne laisses pas prendre chez toi tout ce qu'il veut, il tabassait tout le monde! Homme, femme, enfant, même les animaux y passaient. Quand ça a commencé? Quand ça a commencé, ma mère allait parfois retrouver ses victimes et tentait de réparer les dégâts. Parfois, c'était un meuble à réparer. Parfois, c'était un bijou à racheter. Mais parfois, c'était quelqu'un, oui, c'était quelqu'un à conduire à l'hôpital. Jusqu'à ce qu'un jour... Il n'était plus satisfait du repassage, de la lessive. Qu'il trouve suspect un simple bonjour entre elle et un voisin. Qu'il trouve trop longue ses sorties et qu'il commence à lui interdire des amitiés. Et elle, qui n'avait pas encore senti le piège se refermer sur elle, s'accommodait dans l'idée de sauver ce qu'elle croit rester de leur amour. Elle cuisinait autrement. Elle ne parlait plus. Elle ne sortait plus. Et défaite, elle a fini par s'éteindre. Tu ne la reconnaissais plus. Son sourire avait perdu cette lumière douce qu'ont tous les sourires. Sa tendresse aura un goût de sel et ses baisers de sang. Parce que sa bouche et tout son corps ont saigné en ton absence. Et que quand tu es là, elle a peur que ce sang te tache. Que le goût du sel dévore tes papilles. Quand tu es là, elle se dit que le suicide ou le meurtre... Me mettre mon frère à conserver la pureté de l'enfant. Mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas que tu as déjà pensé au poison, qu'il y a déjà un plan bien fait dans ta tête, que tu attends seulement le moment propice. Elle ne sait pas que cette pureté de l'enfance vient de son sourire et de sa tendresse. Et puisqu'elle ne sait pas, tu t'aiguises en silence. Tu affines le stratagème. Mais parfois elle sait, et dans l'évidence du chaos, elle choisit pour t'offrir un exutoire, un contre-piège. Un moyen de t'enfuir. Mais comment te fuir sans elle? Comment faire de ta fuite un pas vers la liberté sans elle? Offre-moi une autre. Une autre bière? Bien, merci.
ton père à toi, il battait ta mère? Oui. Tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Tous les jours, sans exception. Des injures, des crachats, des coups de poing, tous les jours que Dieu fait. Ma mère était devenue comme une noirceur, le genre de noirceur à laquelle tu es habitué. Une noirceur impuissante, sans force, laide, qui ne peut rien intimider. Ma sœur aînée, je la haïssais. Elle trouvait toujours des excuses à tous et pour tout. C'est vrai que maman n'a pas bien préparé le repas. Ce n'est pas la faute de papa, mais celle de l'alcool. C'est ceci, c'est cela. Comment peut-on trouver des excuses à ceux qui tuent l'homme de sa dignité? Je la haïssais tellement qu'un jour j'ai... Tu l'es quoi? Battu. Tu es... Je pense que la tuer aurait été mieux. Alors? Alors quoi? Rien. Laisse. Ma sœur adorait la musique. Entre elle et moi, il n'y avait qu'elle. Reggae, compas, jazz, toutes sortes de musique pouvaient convoquer ses rêves. J'aurais dû la tuer. Peut-être que ça aurait... Entre ma mère et moi, il y avait qu'un poste de radio d'où venaient toutes les nouvelles du monde. Ma mère avait des émotions prudentes quand le poste parlait d'enfants morts à l'autre bout de la terre. De victimes d'attentats terroristes, de bombardements d'enfants au Moyen-Orient. À 4 heures, il y avait une émission musicale. Ma mère dansait. Elle dansait comme retenue. Elle dansait comme une prisonnière de longue, longue étreinte. Elle sautillait, elle tourbillonnait, elle donnait des baisers au vide. Tu aurais dû la voir. La vie, ce n'était que ces instants-là pour elle. Elle, seule avec le poste. Mais toi, tu avais ta sœur sur qui projeter tes colères. Mais pour moi, il y avait cette émission sur les voyageurs. Sur les camionneurs qui passaient près d'une année sur la route sans entrer chez eux. Et parfois, la route était chez eux, leur seule mémoire. Je ne projetais aucune colère sur l'animateur de cette émission. Au contraire, j'ai voulu qu'il me quitte, qu'il m'appelle à la route. Mais c'est la route qui vient à nous. C'est vrai que je haïssais ma sœur. Mais il y a des haines qui ne peuvent se faire violence. Il y a des haines sans bruit, des haines timides que l'on enfuit sous nos larmes. Plein de sentiments sont timides. Plein de sentiments sont timides. Les miens, je les portais mal. Aujourd'hui encore, je les porte mal. Je les portais avec trop de retenue ou une trop grande expressivité. Il y a des sentiments, même s'ils sont sincères, même s'ils disent l'amour, ils ne sont faits que pour être cachés. Que vaut un sentiment qui ne peut s'ouvrir à la vie, hein? Que vaut un sentiment qui ne peut s'ouvrir à la vie? Qu'il s'agissait de cette haine terrible que j'avais pour mon père, ou de cette immense tendresse que j'avais pour ma mère, que valait-il? Que valait-il si aucune d'eux n'a su m'imposer une action, une vengeance? Merde alors! Mais il n'y a pas plus hypocrite que l'homme qui assombrit ses sentiments. Tu te trompes, mon ami, si je peux t'appeler ainsi. Bien sûr que oui. Tu te trompes grandement, mon ami.
Les écorchés, ce sont des gens ainsi faits. Des gens dévorés par leurs sentiments et qui se demandent comment aimer avec un cœur en morceaux. Comment exploiter la haine ou la colère avec une âme qui ne souhaite que le regard ou le partage. Tu me demandes toujours des comment et des pourquoi. Alors voilà, je suis une écorchée. Tout ce que j'offre aux autres ne sont pas à moi. Qu'est-ce qu'une prostituée peut offrir au-delà du clientélisme? Tous les sentiments sont trafiqués, corrompus par une situation X ou Y. La seule chose de vraie, de sincère, c'est le réel et les merdes qu'il nous impose. Maintenant, c'est toi qui te montres des airs de philosophe. Une autre bière. Tu vas finir par être sous. Qu'importe. Tu me réveilleras quand tu partiras à l'aube. Je ne pars jamais à l'aube. Oui, c'est vrai. Pour toi, l'aube, c'est la route. Tu sais ce que c'est la pénombre? Pas vraiment. Mi-chemin entre le jour et la nuit? En quelque sorte, la pénombre, c'est le moment parfait pour découvrir une route. Si tu observes attentivement, écoute attentivement, tu finiras par saisir tous les parfums, tous les rires, tous les cris, toutes les larmes qu'elle garde. Si tu observes, écoute attentivement, tu finiras par saisir l'essentiel de la route, les passants. Ceux qui passent laissent traîner des petites fumées d'émotions qui, une fois accumulées, font une âme à la route. Et une fois qu'elle a une âme à la route, elle a des humeurs. Mais les routes sont souvent tristes. Triste de n'avoir pas su regarder ce couple d'amoureux. Ces enfants qui criaient à la vie. Cet homme qui disait adieu à la guerre et à mille autres instants de grâce. Les routes sont solitaires. Leur mission, c'est d'accompagner, d'étreindre les hommes jusqu'au bout du voyage. Mon corps aurait pu être une route. Une route qui conduirait vers un camp de concentration, une prison ou au cimetière. Tu t'imagines? Qu'est-ce que les gens qui ont connu les camps de concentration nazis ou les géoles des dictateurs ont fait des routes qui les y ont conduits? Toutes les routes qui conduisent au malheur ont un nom simple. Les routes de l'enfer. Et tu appelles ça un nom simple? Il n'y a pas plus simple que ce qui nous conduit au malheur. C'est parfois d'une telle banalité. Tu dis que ton corps aurait pu être une route avec un paysage sale. Moi, je dis que ton cœur aurait pu être une route d'Haïti, avec ce mélange de bleu et de vert, ce mélange de ciel et de terre, une route vers l'enfance. Mais, te connaissant... Me connaissant quoi? Tu n'accepterais jamais qu'il puisse être autre chose qu'un terroir décorché. Et? Et il y a que tu es une hypocrite, une grande hypocrite. Pardon?
Tu as bien entendu, tu es une hypocrite à 2000%. Dis-moi si c'est la bière qui te monte à la tête. Dis-moi avant que je te refasse le portrait. La vérité va se défaire quand elle frappe à la bonne porte. Cet air de monsieur, je sais tout. Il connaît la vie des gens mieux qu'eux. Cet air de bon samaritain, je vais te le faire avaler, imbécile. Tu es énervé. Et c'est ce que tu cherches, hein? C'est ce que tu cherches? Alors tu cherches quoi? Je ne sais pas encore. Mais bon Dieu, quel cinglé tu es. Je sais seulement que... Je voulais te faire regarder la vie au-delà de tes blessures. Je sais seulement que... Je voulais te dire que la vie est comme une route. Je sais seulement que je voulais te dire que tout homme a des blessures profondes dans l'âme et dans le cœur. Des blessures qui ont refaçonné leur monde. Mais est-ce que nos écorchures valent la vie? Qu'est-ce qu'un homme qui arrête d'aller vers les autres? Je sais seulement que je voulais te dire que l'humanité vaut la peine de prendre un siège à ses côtés pour tenter le voyage. Et si en cours de route, un mauvais passager se pointe, change de siège, n'abandonne jamais le voyage. Car seul un être humain, avec son corps, son cœur et ses mains, peut te faire oublier que le monde un jour a été mauvais. Ta mère a-t-elle oublié que ton père la battait? Toi, as-tu oublié? Si oui pour vous, moi non. Un homme ne doit jamais oublier que chaque être humain peut aller au plus profond de la cruauté. Il faut garder cela en tête, ne faire à l'humanité le seul crédit de l'horreur. Les hommes sont trop souvent capables du pire et rarement du meilleur. Voilà pourquoi il faudrait que tu apprennes à aller vers les autres. Mais je vais toujours aux autres. Poignard en main, sans illusion. Comment te faire croire aux autres? Je n'ai pas besoin que tu me fasses croire en ceci ou en cela. Ma conviction est ferme. Les hommes n'ont pour toute beauté que l'élégance du crime.
C'est moi qui ai tué mon père. C'est ma mère qui est morte en prison. Je ne sais pas ce que tu appelles l'élégance du crime. Mais j'ai appris le jour où j'ai empoisonné mon père. J'ai appris que les hommes sont purs face à la détresse. Non. Qu'ils ont à certains moments le pouvoir de mettre la vie au cœur de tout. Non. En ce moment où j'ai empoisonné mon père. Non. Je n'avais rien compris. Non. Rien réfléchi. Non. Je voulais qu'il meure. Non. Je priais pour qu'il meure. Non. Je priais chaque jour pour qu'il meure et il ne mourrait pas. Non. Il entrait avec plus d'ivresse. Non. Plus de colère. Non. Non. Plus de violence. Non. Non. Il entrait et tenait un briquet allumé collé aux yeux de ma mère pendant longtemps et disait en ricanant. Non. 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 Apprends à sentir le feu. Non. Apprends à sentir le feu qui te consume. Non. 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 J'ai senti. Non. 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 J'ai senti avant ma mère. Non. J'ai senti que ce briquet pouvait venir un soir avant les baffes. Et à défaut d'avoir trop senti le malheur, non. Je le lui ai imposé. Déjà senti un homme mourir par ta faute? Non! 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 Alors prie! Prie pour que jamais cela ne t'arrive! Que tu sens dans l'instant où cet homme se vit! Que tu as tué des rites! Des joies! Des amours! Des amitiés. Prie pour que jamais tu ne ressentes cela. Un homme, au moment où il meurt, n'est ni une victime ou un bourreau. C'est un homme. Les gens du quartier avaient compris cela. L'enfance que je portais avait atteint l'acte. Une dame qui était la doyenne du quartier m'a fait monter dans le camion de mon père et m'a dit: voici maintenant ta seule famille, la seule à qui tu devras raconter cette histoire. C'était la route, non le camion! Le camion? Elle avait fait mettre un autocollant. Liberté. Sur la ville de devant, liberté. Cela signifiait que pour une fois, pour la toute première fois, je pouvais regarder au monde et dire que tu es à moi! Tu es à moi! Un homme, ce n'est rien. Rien qu'une mauvaise copie. Mais un homme contre tous les autres, un homme c'est tout, un homme contre tous les autres, un homme contre tous les autres, c'est tout. Si tu le Si je le souhaite, tu feras de moi un homme, une femme. Si je le souhaite, tu me ferais quoi en quoi? La route, l'homme, la vie. Il me manque le goût des choses et des hommes. Non, il m'a tout.
toujours manqué le goût des choses et des hommes. La misère, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est quand la faim frappe à ta porte? Quand un homme dit tant pis et qu'il aille à la mort pour un pain? Un homme qui dit tant pis et qui part, voilà ce qui est effrayant, ce qui jamais ne doit frapper tes sens. Tu as tué ton père, on t'a pris la main et on t'a offert la route. J'ai tué le mien. Non, j'ai tué cette chose, cette violence, ces coups de poing. Un père. Mes amis en avaient, mais moi j'avais un bourreau qu'il avait fallu tuer. J'ai tué un homme qui me forçait à coucher avec lui. Qui, après un homme, est capable de cela? Capable de brûler sa fille avec de l'huile chaude et la forcer à coucher avec lui. Je l'ai tué. Et les hommes qui sont purs dans la détresse m'ont laissé pour morte dans une fosse commune. Hein? Qui après des hommes sont capables de tuer quelqu'un qui a tué un homme qui de toute façon l'aurait tué? Je sais qu'un homme peut être bon, peut vouloir le partage par-dessus tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'un autre peut vouloir l'inverse? Le monde m'a appris à le regarder droit dans les yeux. Et ce sont bien des hommes qui ont dit œil pour œil, dent pour dent. Alors, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Mais non, t'as bien dit de me comporter comme toi-même. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as dit qu'on ne fait de ta vie comme vous. Je fais ma vie avec les cordes qu'on m'a données. Elles sont toutes tachées de sang. Alors, enlève-le. Alors, passe-moi la serviette. Okay. Des hommes t'ont battu. Tu as été dans une fosse. Mais qu'est devenue ta vie après? As-tu toujours été battu, mise dans une fosse? Quelle main t'a offert des caresses? T'as sorti de la fosse? Une main qui m'a dit qu'avec un corps pareil, je rapporterai gros. Ça aussi, les hommes savent le voir. Voir dans l'enfance la servante, le portefaix, la prostituée. Ah, si tu veux... Si je le souhaite, tu feras de moi ta prostituée. Non. Si je le souhaite, tu feras de ma vie un enfer à petit feu. Pourquoi je ne pourrais pas coller comme toi le mot liberté au devant du peu que j'ai? Si je le souhaite, merde, je ne souhaite rien, rien qui puisse faire croire aux hommes que j'ai quelque chose qui leur appartient. Matin. Dans cette partie du pays, on ne reçoit personne à cette heure. Personne ne laisse personne m'emmerder avec ses idées et ses capricieux. Alors, tu vois que tu fais bien de payer le double. Pas un jour j'ai pensé à te payer. Quand le camion a commencé à m'apporter, j'ai voulu revoir la dame. Celle qui m'a sauvé la vie.
Elle était morte. Elle était morte depuis longtemps. 4 ans. 4 ans. Le double. Le double des 2 années que j'ai passé à fuir. À fuir quoi? À fuir l'ombre. L'ombre de quoi? Même moi, je ne savais pas ce que je fuyais. Et souvent, quand les gens lui ressemblent, portent le monde de la manière qu'elle, je leur offre le double de ce qui nous lie. C'est l'argent qui nous lie. Tu le dis tout le temps. Peut-être. Bien sûr que j'aurais aimé qu'autre chose nous lie. Autre chose comme ce corps que tu refuses et as toujours refusé? Autre chose comme quoi? Comme nos vies qui n'ont rien en commun? Rien de semblable? Autre chose comme quoi? Comme ta main. La dame me disait que le creux de la main protège les premiers baisers qu'on nous a offerts. Les premiers baisers qu'on a cassés en lui, parce que le corps était bien trop fragile. Elle me disait, prends la main de ce que tu aimes, dépose-y un baiser. Et la certitude que tous les chemins qui ramènent à l'amour les ramèneront à ce baiser. C'est la dernière chose que j'offrirai à quelqu'un. Au fond du malheur, nous n'avons que nos mains pour espérer en sortir. Que nos mains pour espérer une autre qui serait tendue vers nous. Et voilà. Si tu espères, c'est quelque part, tu crois? Quelque part, j'espère. Quel homme n'a pas un jour de sa vie rêvé d'être Dieu? Ne serait-ce que pour n'avoir jamais à inventer des mains qui se fermeront lorsque d'autres seraient au fond du malheur. Quel homme n'a pas un jour ou un autre rêvé d'être Dieu? Ne serait-ce que pour réduire la vie à de simples instants. Comme tout homme, l'espoir est ce Dieu que j'aurais aimé inventer pour avoir la chance de le tuer. Tiens. C'est quoi cela? L'autocollant. Quel autocollant? Liberté, l'autocollant liberté. Tiens, pour que tu sois mon ami. Celle que là... Pour que tu sois mon ami. Pour que je sois ton ami. Je t'aime. Merde! Je t'aime. C'est un mot qu'on dit quand on croit profondément que le partage est plus immense que le malheur. Si tu le souhaites. Si je le souhaite. Si tu le souhaites. Si tu le souhaites, je t'emmènerai un jour sur la route, voir la rivière à l'aube. Tu y verras des hommes pour qui la nuit de pêche a été mauvaise, être heureux de la traverser pour rejoindre leur épouse. Tu y verras des enfants à qui on a interdit la rivière, être heureux de ne pas s'en approcher. Pour ressentir les baisers que leurs parents échangeront. Si tu le souhaites. À ta demain. Une autre bière. Il y en a plus. Et on a déjà fermé le bar. J'ai du whisky, tu en veux? Merci, mon ami.
si tu le souhaites. Demain, peut-être, je connaîtrai la route. Merde, l'ami, je t'aime.